Allez, salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est toujours moi, Rissam Hospital. Et là, vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Et avant de suivre la vidéo, j'ai peut-être demandé à ceux qui suivent vraiment cette vidéo-là de pouvoir liker la vidéo et aussi essayer de partager pour vos amis ou bien vos proches que vous voyez postuler à cette bourse-là. C'est assez important pour moi aussi. Ok, donc, dans un premier temps, ce que je suis en train de faire maintenant, vous voyez là, ça c'est la bourse de la Hongrie. Et n'oubliez pas que la date limite, c'est le 15 janvier. Donc, essayez de faire un peu rapidement. Il vous reste au moins une semaine, maximum une semaine, pour pouvoir clôturer cette bourse-là. Donc, dans un premier temps, vous devez savoir que ça, c'est la deuxième vidéo. Ça, c'est pour ceux qui m'ont assez sollicité pour que je puisse faire la seconde vidéo pour donner un peu plus d'explications. Donc, j'ai déjà fait une première vidéo. Si vous voulez la voir, vous pouvez juste allez sur ma chaîne YouTube, voilà, vous allez voir que j'ai déjà fait une vidéo. Vous pouvez voir cette vidéo-là, voilà. Et quand vous allez là, vous pouvez liker là et aussi essayer aussi de vous abonner en venant juste en dessous, voilà. Donc ici, dans un premier temps, ce que moi je vais faire, je vais aller directement là-bas. Ce que moi je vais faire, lorsque vous arrivez sur votre profil ici, vous allez cocher d'abord les éléments qui sont là. Je vais mettre en français, comme ça va aider. D'autres, voilà. Donc, si vous voyez là, je vais accepter là. Afin de profiter du service, il vous est demandé d'accepter certains termes, tout ça. Donc, j'ai lu et j'ai accepté. Voilà, ça, je vous avais montré ici les règlements, ce que vous devez fournir et tout ça, les documents et tout ça. Ça, c'est dans la première vidéo. Donc, essayez de voir ça. Et ici, par la présence, j'autorise le traitement de mes données. Voilà, donc vous acceptez tout ça et vous cliquez sur enregistrer mes références et continuer. Voilà, donc pour aller sur application, dans les noms, vous allez cliquer sur application ici. Voilà, vous allez vous retrouver avec cette partie-là. Donc, continue en sélectant votre programme. Et ce que je voulais vous dire est assez important. Si par exemple, vous n'avez pas de, je l'avais déjà dit dans une vidéo, si vous n'avez pas de certificat en anglais, essayez d'abord de, c'est vrai, vous allez dépenser un peu plus parce que pour ceux qui ne savent pas, l'application de cette bourse là, ça peut vous coûter au moins 150 euros ou bien 250 euros. Voilà, donc c'est assez important pour ceux qui ne veulent pas sortir d'application, qui ne veulent pas payer pour faire une application. Vous devez le savoir en même temps pour ne pas continuer et perdre votre temps. Donc, si, comme je l'ai dit, vous pouviez solder 150 euros ou bien 250 euros. Ça, c'est dans quel contexte? Je vous explique. Pour 150 euros, pour une personne qui postule, qui n'a pas de certificat en anglais, cette personne va postuler d'abord pour un certificat de langue, c'est-à-dire pour les études en langue hongroise. C'est-à-dire, vous allez d'abord faire la langue d'abord hongroise avant de pouvoir commencer votre cursus de licence ou bien de master. Vous comprenez? Maintenant, une fois que vous postulez pour la langue, vous allez aussi ajouter votre licence et ou bien le master, c'est-à-dire le programme ou bien la procédure de licence ou bien de master. Ce qui veut dire que il peut vous prendre votre somme en ce qui concerne les 150 euros en ce qui concerne l'année de langue, et après l'année de langue, vous allez aussi solder les 100 euros de la licence ou bien du master. Voilà, mais ça va dépendre de la filière que vous allez choisir ici sur la plateforme. Donc, moi, ce que moi je fais, moi je viens ici directement parce que j'ai déjà fait une première vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous devez faire pour vous enregistrer et tout ça. Donc, je clique sur continue. Et quand je clique sur continue, si je pense que j'ai un certificat en anglais, bon, j'imagine que je viens pour la licence, n'est-ce pas? Donc, moi je prends ici licence, voilà. Et je veux par exemple faire l'année académique 2024-2025. Donc, j'enlève ce qui est ici. Ok, et ici je prends par exemple comme ça full degree study. Je vais mettre en français encore un instant, que je mette en français pour ceux qui ne maîtrisent pas vraiment l'anglais. Donc, et je vous dis aussi que vous devez chercher à faire des certificats en anglais.
ça sera bien pour vous. Et ici, par exemple, comme ça, quand je viens, vous regardez là, par exemple, ça c'est maîtrise, quand ils mettent comme ça, c'est maîtrise et célibataire, vous voyez que là, le truc n'est pas bien traduit, célibataire, ça c'est la licence, voilà. Et vous voyez, il y a courte durée, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, je le répète encore, vous avez bien écouté, ceux qui veulent postuler et qui ont déjà un certificat en anglais, là, il n'y a pas de problème. Voilà, vous cochez tout ce qui est là. Vous prenez seulement les cours qui seront en anglais. Voilà, donc, vous prenez seulement les cours qui seront en anglais. Ici. Donc, je mets tout effacé et puis je prends anglais. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui veulent, qui ont un certificat en anglais. Vous voyez? Voilà. Maintenant, si vous avez un certificat en anglais ou bien dans une autre langue, voilà, en anglais ou bien en russe ou bien en anglais ou bien en français ou bien en espagnol, si vous êtes ici en Russie par exemple et que vous voulez étudier en russe, vous avez un certificat en russe, vous voyez qu'il y a cinq éléments qui se trouvent là, vous pouvez cliquer là et si la filière que vous voulez choisir est enseignée en russe directement, par exemple, ici je ne tape rien, je n'écris rien, mais je veux faire la licence qui est enseignée en russe. Vous voyez? Donc si je fais la licence qui est enseignée en russe pour l'année 2024-2025, directement, je clique là et ça va me proposer les éléments qui sont en russe. Donc ici, c'est quoi? Études slaves, bachelor, études complétées 6 semestres, langue d'études russe. Vous voyez? Donc ça, c'est la faculté des sciences humaines et sociales. Donc ici, déjà, vous voyez que vous pouvez étudier directement ici, mais c'est en russe. Vous voyez? Donc ça veut dire que vous avez un certificat ici en Russie. Voilà, si vous allez là-bas pour aller étudier, vous n'allez pas faire encore de cours de langue. Vous comprenez? Maintenant, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, je retourne là. Et puis, je vais choisir. Si, par exemple, c'est la langue française que vous avez. Si vous avez, par exemple, comme ça, un certificat en français. Ou bien ceux qui ont étudié en français. Je clique là directement. J'enlève russe. Voilà. Pour l'année académique. Pour une licence. Je vérifie d'abord si il y a une filière qui peut. Ici, vous voyez, il y a 10. Donc, je vérifie si ma filière se trouve parmi les filières qui sont enseignées en anglais, en français. Donc, quand je regarde ici, il y a quoi? Il y a romance philologie. Il y a quoi encore? Romance philologie ici, romance philologie et culture. Voilà, tout c'est en romance philologie. Donc, vous comprenez que si moi je veux faire mathématiques, voilà, ça n'a pas la peine de choisir ça. Donc, ici, moi je me propose comme une personne qui ne parle pas anglais, voilà. Et si je ne parle pas anglais, ça veut dire que je dois prendre ici le cours de langue. Si je ne parle pas anglais, ça veut dire que je vais étudier en langue hongroise, alors que la langue hongroise, je ne l'ai pas encore fait, je n'ai pas de certificat. Donc ici, je vais prendre d'abord, je vais étudier la langue. Donc ici, c'est bon, ici, c'est bon. Donc moi, je vais étudier la langue d'abord. Donc si je vais étudier la langue, je prends ça et je prends ici langue hongroise. Ou bien je laisse comme ça et j'essaie de voir les éléments qui sont là. Donc ici, quand je laisse comme ça, je vois la date limite, c'est toujours le 15 janvier. Ok, donc ça veut dire que c'est bon. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de vérifier les universités qui me proposent la langue hongroise. Vous voyez? Donc les universités qui me proposent la langue hongroise, ici, directement en hongrois. Parce que si vous prenez hongrois, anglais, après, si vous ne comprenez pas l'anglais, ça va vous fatiguer un peu. Donc, moi, je prends, par exemple, je vais prendre ici, si je comprends un peu l'anglais, parce que 100% hongrois aussi, ça va vous fatiguer aussi. Donc, moi, je prends, par exemple, ici, voilà, dans cette université-là. Mais ça, vous devez être sûr, peut-être, que après les cours de langue, la filière que vous voulez faire se trouve dans cette université-là. Ça va vous arranger aussi. Voilà, donc. Moi, je peux prendre ici. Je prends. Si je veux faire les mathématiques, ça c'est. Je vois que c'est agriculture, donc je laisse ça. Théologie, c'est plus littérature. Donc, je viens là. Je viens là. Science. Bon, je vais prendre PECS parce que là, il y a plusieurs éléments à chaque instant. Donc, je vais prendre ça. Et je fais Apply Now ici. Ok, donc, quand je fais Apply Now, vous voyez, on dit que j'ai 6 jours. J'ai 6 jours pour pouvoir apply. Comme je l'ai dit, vous avez maximum une semaine. Ok. Donc, dans ce cas-là, je dois pouvoir maintenant essayer de remplir
tous les éléments qui sont là. Donc, c'est ce qu'on doit essayer de faire. Et quand c'est comme ça, vous voyez juste là, il y a une seule application. Mais n'oubliez pas, pour ceux, par exemple, comme ça, qui veulent étudier en mathématiques, après avoir choisi de faire la langue d'abord avant de faire mathématiques, vous voyez que vous devez faire deux applications. Ça ne sera pas une seule application. Vous prenez une application pour la langue et vous prenez une autre application aussi pour les mathématiques. Donc, ça veut dire qu'après ça, quand je finis de faire ce qui est là, voilà, je vais aussi choisir mathématiques pour pouvoir appliquer en mathématiques. Comme ça, une fois que j'ai fini de faire la langue ici et que j'ai reçu une bourse en mathématiques, je pars là-bas directement pour faire les mathématiques l'année prochaine. Voilà, donc ça ne sera pas une seule application. Ce qui veut dire que quand vous commencez pour l'année de langue ici, si vous prenez l'année de langue, c'est-à-dire en langue hongroise, l'application peut vous soutirer, par exemple, comme ça, 150 euros. Et une fois que vous ajoutez les sciences mathématiques sur l'application, ça peut faire 100 euros et le total peut vous coûter 250 euros. C'est ce que je disais auparavant. Vous comprenez? Mais ce qui est bien, c'est que lorsque vous prenez la seconde application pour mathématiques, ces éléments que vous avez déjà insérés, vous n'allez pas encore les insérer parce qu'ils vont vous demander d'insérer quelques éléments seulement. Vous n'allez pas remettre encore les documents et tout, tout. Vous comprenez? Donc, j'espère que ça va. Ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez déjà poser la question en commentaire. Comme ça, je vais vous répondre rapidement. Ok, donc pour pouvoir commencer, moi je viens sur le profil pour voir d'abord si j'ai tout rempli en ce qui concerne le profil. Donc, ça, c'est l'enregistrement que j'avais déjà fait. Donc, comme je l'ai dit, je n'ai pas fait, mais je vais vous expliquer pas à pas comment est-ce que vous devez faire. Donc, ici, si moi je vais utiliser par exemple le passeport, je prends passeport ici, voilà. Ça veut dire que je vais télécharger sur le site passeport. Maintenant, si vous avez une carte d'identité, vous prenez la carte d'identité ici. Mais seulement que la carte d'identité, vous devez traduire ça en anglais. Voilà, n'oubliez pas, c'est très important lorsque vous allez mettre la carte d'identité. Ok, donc le nom de famille, je mets mon nom de famille. Voilà. Et le passeport, où ils ont mis comme ça, nombre, vous pouvez mettre le numéro du passeport. Voilà. Et la date d'émission, quand ils ont fait le passeport, quand ça va, le passeport, la date de péremption. Voilà. Et le pays d'émission, si c'est Côte d'Ivoire, vous mettez Côte d'Ivoire. Voilà. Ou bien si c'est quel pays, vous mettez le pays. Voilà, donc je crois que ça va. Et le genre, c'est masculin et féminin. Donc ici, citoyenneté, c'est pas russe. Ça, vous pouvez mettre ivoirien, ou bien vous pouvez mettre comme ça, gabonaise, ou bien vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, donc j'ai la double nationalité, non. Voilà, donc ça, je peux enlever. Maintenant, si c'est une carte d'identité que vous avez choisie, vous mettez le numéro de la carte d'identité ici, la date d'émission, la date de ceux qui ont la carte d'identité qui n'ont pas. La date de péremption, vous pouvez demander dans votre pays ou bien sur Google, votre carte d'identité prend combien d'années? Si c'est 5 ans et que vous avez fait cela en 2022, ça veut dire qu'en 2027, ça sera périmé. Donc vous changez seulement que les mois, vous mettez plus 5 ans pour faire 2027 et c'est tout. Donc, nom de famille, ça, vous avez, pour le prénom du père et de la mère, ça n'engage que vous. Voilà, donc. Naissance, pays de naissance, lieu de naissance aussi, ça c'est à vous. Voilà, ce qui est là, c'est pas la peine si vous n'avez pas d'identification hongroise, donc c'est pas la peine. Maintenant, en ce qui concerne la photo, vous prenez une photo que vous téléchargez en 35-45, et ici la photo va apparaître là, et c'est vous-même qui allez diriger pour bien mettre la photo sur le plan pour que ça puisse être dans cette partie-là, bien encadré. Voilà, donc j'espère que j'ai bien expliqué. Comme je le dis, ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez déjà me contacter inbox ou bien vous contacter, vous écrivez là que vous n'avez pas compris une partie. Je vais essayer de reprendre. Ok, donc après ça, qu'est-ce que je fais? Je viens dans contact. Voilà, vous voyez qu'ils ont mis un élément là. Ça veut dire que je n'ai pas encore fini cette partie-là et que je dois revenir pour pouvoir terminer cela. Je le dis et je le répète, si vous êtes ici en Russie, vous pouvez aussi postuler aisément et sans problème. Voilà, donc essayez de mettre en tête pour pouvoir le faire. Ok, donc ici, qu'est-ce que je fais? Je viens là, n'oubliez pas, je vais essayer de scinder cette vidéo-là en peut-être deux parties ou bien trois parties pour ne pas faire de longues vidéos. Donc, essayez de comprendre cela et puis on va essayer de faire pas à pas pour pouvoir terminer rapidement. Donc, une fois que la vidéo finit et qu'il y a une autre vidéo juste sur ma chaîne YouTube, je vais mettre ici la partie 2. Et partie 3 aussi, vous allez voir. Et la partie 4, c'est la fin. Ok, donc la rue, vous mettez ça, je crois que ça va.
et votre Skype. Si vous n'avez pas de Skype, essayez de créer un Skype rapidement et vous mettez le Skype là, parce que au moment où ils doivent faire, si vous êtes sélectionné et qu'on doit faire l'entretien ou bien l'interview pour voir un peu l'étudiant et voir les aspects ou bien le projet des étudiants, voilà, vous allez essayer d'expliquer un peu, surtout ceux qui veulent faire un doctorat, voilà, ils expliquent un peu, ou bien master, ils expliquent un peu leur projet d'études. Ok, ça c'est pas la bourse même qui demande cela, ça c'est la faculté que vous allez choisir qui vous demande. Ok, donc je crois que ça va. Et la personne à contacter en cas d'urgence, vous mettez son nom, son email, son téléphone, et si c'est votre père ou bien votre mère, ouais, ils ont déjà précisé ici, donc ça va. Ok, donc je viens sur éducation. Éducation, dans la plupart des temps, c'est ce que vous avez fait déjà que vous mettez. Voilà, ici on dit veuillez énumérer toutes les étapes de l'éducation depuis l'école secondaire. Voilà, donc depuis l'école secondaire ou bien du lycée jusqu'à votre niveau actuel. Donc, ça dit que si vous avez obtenu le bac, voilà, vous mettez le bac. Vous mettez le bac après la licence. Ou bien si vous voulez faire un master, vous mettez le bac et la licence. Maintenant, si c'est la licence seulement que vous allez faire, vous pouvez mettre la classe de 3e et après la classe du bac que vous avez obtenu. Voilà, mais si c'est le master que vous voulez faire, alors vous mettez le bac, vous mettez la licence après et c'est tout. Voilà, maintenant, si vous avez des certificats aussi, vous pouvez ajouter. Ok, donc lorsque vous ajoutez, je crois que ça, vous pouvez voir rapidement. Quand vous ajoutez un élément, statut de l'étude, si vous l'avez validé, c'est-à-dire si vous avez fini le bac, vous mettez que vous avez fini en mettant validé. Voilà, donc ici, c'est à vous maintenant de voir si c'est éducation secondaire, c'est-à-dire le bac. Voilà, vous allez mettre le nom de l'école, l'université et l'institution. Voilà, ou bien l'institution. Ici, début des études, vous mettez cela. Ça, c'est un peu simple. Donc, je crois que vous comprenez. Donc, je vérifie rapidement où est-ce que je prends ici. Par exemple, comme ça, source de financement. Vous avez fait votre bac, par exemple. Voilà. Et on vous demande comment est-ce que vous avez étudié pour avoir le bac. Voilà. Vous pouvez mettre autofinancé. C'est vous-même qui avez payé vos études. Donc, vous mettez autofinancé. Voilà, maintenant si c'est l'État, vous mettez financé par l'État. Ou bien ça a été gratuit. Ok, je crois que après ça, c'est déjà bon. Maintenant, le GPA ou bien la note moyenne, voilà, ça c'est la note que vous avez obtenue. Peut-être par exemple comme ça, lorsque vous avez fait le bac, ce que vous avez obtenu, la moyenne, vous pouvez mettre la moyenne là. Vous voyez, voilà, donc c'est pas un problème pour ça. Maintenant, il y a des GPA qui sont sur 4. Voilà, sur 4. Donc, vous pouvez aussi, mais si vous avez eu 3, vous mettez 3. 3 sur 4. Ok. Ici, par exemple, comme ça, c'est vous-même. Ça dépend. C'est un peu personnel. Donc, ici, avez-vous déjà étudié un établissement supérieur hongrois? Ça, c'est non. Avez-vous déjà été boursier? Ça, c'est non. Donc, ça va dépendre de vous-même. C'est vous-même qui allez remplir tout ça. Donc, moi je vérifie les endroits qui sont un peu coincés et je vous dis comment est-ce que vous devez les remplir. Donc, ici on dit de choisir la langue maternelle. Veuillez saisir votre réponse aux questions suivantes concernant votre compétence linguistique. Si vous avez passé des tests pertinents attestant de vos compétences linguistiques, vous pouvez ajouter autant de langues que vous souhaitez. Cependant, votre langue maternelle, veuillez décrire vos compétences en langue étrangère. Donc, pour ceux qui sont ici en Russie, qui ont déjà obtenu la langue russe, voilà, vous pouvez les insérer ici. Ici, moi, je prends la langue maternelle. Peut-être, je prends pas anglais. Si c'était l'anglais, j'allais déjà étudier en anglais. Donc, moi, je prends peut-être français. Je vais prendre français, comme ça va nous faciliter la tâche. Moi, je prends français. Ok. Donc, je viens juste là, je prends français. Et si j'ai étudié la langue russe, j'essaie d'insérer une nouvelle langue. Vous voyez, une autre langue que je vais prendre, peut-être russe. Et ici, les compétences en russe, je vérifie directement. Dans les normes, ce qu'on a ici, c'est B2. Voilà. Et test de langue, date,
complémentaire. Donc, c'est quand vous avez fait et tout, tout. C'est quand test de langue, virgule la date, information complémentaire. Vous pouvez mettre là. Maintenant, ici, études et expérience. Vous avez fait combien? On a fait une année. Donc, vous mettez une année ici. OK. Si vous avez aussi l'anglais, vous insérez là. Mais on n'a pas d'anglais, c'est pourquoi on fait la langue hongroise. Alors, donc, une fois que vous insérez une autre langue, ce que vous allez faire, on vous demande, souhaitez-vous effectuer vos études en hongrois dans le cadre du programme sélectionné? Vous mettez ici, non, je ne souhaite pas étudier en hongrois pendant toute la durée de mon programme. Donc, ici, quand c'est comme ça, vous n'allez pas insérer ici. Le candidat qui souhaite postuler pour une année préparatoire en langue d'un an avant de commencer leurs études complètes, la langue hongroise doivent sélectionner directement les cours préparatoires en langue du système de candidature et répondre non. Vous voyez, donc vous répondez non. Et attention, si votre réponse est non, cela ne signifie pas que vous êtes exempté de cours obligatoires de langue et de culture hongroise. Ça veut dire que vous allez faire juste la langue avant de pouvoir débuter. Voilà, donc après ça, vous venez sur les emplois. Ici, ok, je fais une pause et puis je passe à la partie 3 pour pouvoir terminer ça.